Bon jeudi tout le monde! Alors aujourd'hui, je viens partager avec vous comment s'y prendre pour faire des ventes d'inventaire style 5, 10, 15 $. Ça fait quelques-unes que j'expérimente. Je me suis trouvé plein de stratégies pour que ça soit simple à faire, que ça soit aussi efficace dans la façon de m'organiser puis d'atteindre les gens. Fait que j'avais le goût de vous partager un peu là, mes trucs ce soir. Alors, première étape, on fait ça où? Une vente 5, 10, 15, on va faire ça sur une plateforme privée. C'est ce que les règlements nous permettent, donc sur nos groupes VIP. C'est certain que c'est important de s'annoncer. Alors, moi, je vous recommande toujours de créer un événement pour annoncer vos événements. Fait que je vais vous montrer un petit peu comment je m'y prends de mon côté dans mon groupe. Donc, quand je vous amène ici là, sur mon groupe, vous allez aller dans événements pour en créer un nouveau. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'un coup qui est créé là, les semaines suivantes, vous allez juste pouvoir dupliquer, en fait, là, recopier votre événement et non pas le créer à nouveau. Fait que moi, je me suis mis une image qui était accrocheur. Une photo avec ma fille parce que nous, on les fait ensemble, mais si vous allez faire ça vraiment à votre couleur, à vous. Et j'explique c'est quoi, dans le fond, l'événement. Donc, c'est tous des items à 5 $, 10 $ et 15 $. Et qu'est-ce qui est le fun quand vous avez un événement créé, vous pouvez inviter les gens. Fait que là, moi, c'est déjà fait, fait que ça va être ombragé. Vu que ma vente, par rapport à aujourd'hui, quand je filme, c'est demain, mais vous allez pouvoir inviter et les gens vont recevoir une notification spéciale, mais en plus, c'est qu'ils vont recevoir des rappels à mesure que l'événement va approcher. On peut aller même écrire dans l'événement, les exciter, montrer un petit peu là, des cues de qu'est-ce qui va se retrouver dans la vente. C'est certain que le fait que c'est des prix fixes, parce que moi, j'en ai fait plusieurs, là, j'en ai fait avec des prix variés et j'en ai fait avec des prix fixes. Ma plus facile à gérer, c'est ma 5, 10, 15, parce que tu n'as pas besoin de te casser la tête, c'est trois prix. Donc là, on passe toutes les 5, on passe toutes les 10, on passe toutes les 15. Donc, c'est hyper simple. Puis quand c'est des prix qui sont plus petits, les gens en mettent plus dans le panier, vous savez comment c'est. Hein, c'est moins cher, c'est plus accessible. Souvent, on aime mieux avoir une quantité de produits, en avoir plus. On a l'impression qu'on en a plus pour notre argent. Alors, la première étape, c'est sûr, c'est de sélectionner les produits selon qu'est-ce que vous avez en inventaire. Puis, la grosse, grosse clé du succès là-dedans, c'est de défaire des kits. Je vais vous donner un exemple. On avait eu dans le passé les gros ensembles de Lunch It, bouteilles et Bolidéo. Tout ça va être vendu à l'unité. On a eu des ensembles qu'on appelait l'ensemble 120 pièces. Tout ça peut être vendu à l'unité. C'est ça qui fait qu'on a des items à 5 $, à 10 $ et à 15 $. Pour les prix, c'est sûr, moi, je vous recommande toujours d'avoir vos fichiers de spéciaux d'enregistrer dans votre ordinateur parce qu'après ça, vous pouvez y faire référence. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez utiliser aussi? C'est le fichier d'encan qui est disponible sur Effectif de vente, sur notre groupe Facebook, parce que là-dedans, vous avez une bonne idée des prix. Moi, c'est souvent ce que j'utilise. Fait que je vais vous donner un exemple ici. Vous avez le prix pour les cuillères à mesurer. C'est 35 $, 36 $ la valeur pour les deux. Moi, je les vends séparément, fait que je les mets à 15 $ chacun. C'est sûr, on va arrondir. Tu sais, moi, j'arrondis au plus bas. Je fais plus d'argent parce que c'est moins en spécial exemple qu'une mise minimum sur un encan, mais ça reste que je vais quand même faire des rabais parce que les gens aiment les rabais. On va prendre des exemples des petits friands. Moi, une mise max, je visais un 20 $, ben je les mets à 5 $ chacun. Fait que ça me fait 4 items de disponibles sur ma vente 5, 10, 15. On va prendre les Bolidéo. Je visais 25 $. Mais là, 25 $ divisé en 4, ça ne se divise pas bien, tu sais. Fait que celui-là, c'est aussi un item que j'ai mis à 5 $ chacun. Fait que sur certains, je fais un peu plus. Sur certains, peut-être un petit peu moins que le prix régulier, mais ça fait que c'est vraiment intéressant. On avait aussi ces produits-là dans le passé. Alors, ceux-là, moi, je les mets à 10 $ chacun parce que la valeur, c'est 21 pour 2, fait qu'à l'unité, ça devient accessible. L'ensemble fraîcheur, c'est un bon exemple aussi. On cherchait, on visait 35 $, ben moi, j'ai mis le petit à 5 $, le moyen à 10 $, le plus grand à 15 $, fait que tu sais, c'est quand même 30 $ au bout du compte. Moi, c'est très rare que je les ai vendus 30 $ sur mes encans, fait que ça devient beaucoup plus avantageux.
Ceux-là aussi, on visait un 30. Je mets le bol idéal à 5, la bouteille à 10, le lunch kit à 10. Je vais quand même chercher 1,25 $. C'est quand même mieux que la mise minimum à 15. En fait, c'est beaucoup mieux que la mise minimum à 15. Les sandwichs fraîcheurs, je les mets à l'unité, c'est 10 $ chacun. Les gardes-aliments, tu sais, on les achète en paquet de 4, mais souvent, la personne, il manque peut-être juste la tomate ou l'oignon. Donc, ça, je les mets dans ma catégorie à 10. Mais encore une fois, vous décidez dans quelle catégorie vous les mettez, mais c'est vraiment pour donner un petit peu une idée, là, un guide. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que je vais voir qu'est-ce que j'ai en stock. Je m'établis une liste et là, je vais voir combien de quantités j'ai pour chacun. Moi, je fonctionne avec un fichier Excel. Ça se fait aussi à la main. Allez-y, dans le fond, dans des méthodes que vous êtes, vous, confortables. Moi, Excel, j'aime ça parce que ça me permet de remplir à mesure pendant mon live qui remporte les items. Donc, je peux me servir après ça de l'option de trier par nom. Ça me fait un calcul automatique. Fait que pour moi, ça me sauve beaucoup de temps. Mais mes premières, je suis allée avec le cahier Canada, puis ça a bien fonctionné également. Donc, vraiment, il faut que vous alliez avec ce que vous êtes confortable. Il ne faut pas qu'on se bloque parce qu'on sent qu'on peut-être on n'est pas assez technologique. Fait que je vous montre un petit peu comment mon fichier est fait. Après, ça va vous donner la flexibilité de le faire soit à la main ou vous aussi de reproduire avec un tableau. Donc, vous allez voir que j'ai une colonne avec le numéro de l'item. Alors, au début, j'y allais avec le nom, mais vu que les gens doivent écrire en commentaire quand ils veulent un produit, écrire un nom au complet pour eux, c'était long. Et vu que c'est une course, parce qu'on a des quantités limitées, puis premier qui écrit, premier qui remporte, j'ai adopté la façon que beaucoup de mes collègues prenaient, qui est le numéro. Donc, exemple, autocollant ovale, c'est le numéro 1. Tout le monde qui veut mettre la main sur l'item, écrivez 1 dans les commentaires. J'en ai 10 de disponibles, donc les 10 premiers à écrire 1 remportent l'autocollant. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai toute ma liste d'items disponibles, numérotés et avec la quantité disponible. Puis, ben quand c'est vendu, c'est vendu. On passe au prochain article. Et j'ai les prix aussi de spécifier. Il y a des choses à 5, il y a des choses à 10, il y a des choses à 15. Et je suis tout simplement, dans le fond, mon fichier dans l'ordre. Moi, pour me faciliter la vie, je place déjà mes items dans le bon ordre. Comme ça, je ne suis pas en train de me chercher. Et quand la vente commence, c'est sûr, on jase un peu, on explique comment ça va fonctionner. Et là, je suis prête pour montrer les articles et dire « Ceci est un bol frigo, j'en ai juste deux, c'est le numéro 1. » Les deux premières à écrire numéro 1 le remportent. Puis pendant ce temps-là, j'explique le produit et je donne des utilisations qu'ils peuvent faire avec. Alors, exemple, bol frigo, ça va se trouver dans mon 5$, comme je vous ai dit. Bol idéal, ça va se retrouver dans les 5$. Petit contenant fraîcheur, ça va se retrouver dans les 5$. Petit friand. Là, j'ai reçu des paquets de 4 assiettes. Ils vont se retrouver à l'unité dans ma vente, dans les 5$. J'ai des merveilles, ça se trouve dans les 5$. J'ai reçu des gobelets pour enfants. Alors ça aussi, je les ai défaites les ensembles. Je vais mettre les verres seuls à 5$ et je vais mettre les couvercles à 2 pour 5 parce qu'il y a plein de gens qui voudraient juste rajouter 2 couvercles. C'est ça que ça permet. Ça permet de pouvoir acheter à l'unité selon leurs besoins spécifiques. Ça, les gens adorent ça. Quelques exemples à 10$, comme je l'ai dit tantôt, hein? Fraîcheur moyen, gobelet d'Halloween, j'en ai reçu la semaine dernière. Ça va aller dans mes 10$ à l'unité. Tout ce qui est garde légumes va se retrouver aussi à l'unité à 10$. Les petites bouteilles 500 ml vont se retrouver là également. Et pour des exemples à 15$, ben, je vais vous mettre exemple la tasse cristal onde. Je vais mettre par exemple les ustensiles. Je vais mettre par exemple toutes les tasses éco, le grand fraîcheur. Fait que vous voyez, ça fait beaucoup d'items à pouvoir offrir. Puis les garde-gel aussi, je les mets à l'unité. Celui-là, ce type de format-là, va aller dans la section des 15$, là, entre autres. Qu'est-ce qui est absolument important, qui va beaucoup aider aussi, c'est de vous mettre une description dans votre live. Donc, quand vous partez votre live, prenez le temps de bien écrire la description. Je vais vous montrer un exemple ici, toujours sur mon groupe. Comme ça, les gens qui se joignent alors que le live est déjà commencé savent les règlements, si on veut, entre guillemets,
savent comment ça fonctionne, savent à quoi ils assistent. Sinon, des fois, ils arrivent comme un cheveu ça soupe là, en plein milieu, puis là, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Et ça alourdit un petit peu parce qu'on est toujours en train de réexpliquer les règles. Alors, je vous donne un exemple de qu'est-ce que moi, j'écris dans mon groupe. Alors, j'annonce c'est quoi le type de vente. Fait que, exemple, la semaine passée, vente 5, 10, 15, fonctionnement de la vente, 3 prix, 5, 10 et 15. La première personne à écrire le nom de l'item en commentaire le remporte. Là, je vais modifier pour le numéro parce que c'est un changement que je viens juste de faire. Virement doit être fait dans les 24 heures suivant le live. Mon courriel, la réponse demandée. Possibilité de livraison partout dans le Canada ou récupération chez moi. Fait que, tu sais, l'essentiel est là. Donc, les gens savent à quoi ils assistent. Fait que ça va vraiment, vraiment aussi vous faciliter la vie. Et puis, d'une semaine à l'autre, qu'est-ce que je fais? C'est quelques rabais surprises. Fait que d'une semaine à l'autre, il y a un item qui était à 15 $ qui va passer à 10, mais juste pour cette semaine-là. Il y a un item qui va être à 10, qui va être à 5. Il y a des items qui n'étaient pas là parce que c'est un petit peu trop cher. Ça valait peut-être plus 18-20. Je vais les mettre à 15. Mais c'est vraiment 2-3 items maximum dans chacune des catégories. Et là, je l'annonce comme un gros spécial et ça fonctionne bien également. Tu sais, ça rajoute un petit punch d'une semaine à l'autre. Puis je pense que ça donne le goût aux gens aussi de revenir d'une semaine à l'autre parce que à toutes les semaines, on reçoit des choses. À toutes les semaines, il y a des nouveautés. À toutes les semaines, il y a un rabais surprise. Fait que ça va créer de l'engouement. Et c'est excellent pour votre algorithme parce que ça génère beaucoup de commentaires et de réactions. Tu vois, la semaine passée, 624 commentaires dans mon live. Si je me rappelle bien, on a vendu 1 200 $. Fait que, tu sais, c'est un beau 2 heures bien investi. Et voilà, ça nous ramène beaucoup, beaucoup d'algorithmes sur nos groupes. Puis on s'amuse avec les gens. Moi, c'est ça que j'ai le goût de vous dire là en quittant. Amusez-vous avec les gens. Prenez votre temps. Parler du produit, demander eux qu'est-ce qu'ils font avec. Les gens, ils aiment ça, donner leur opinion. Ils vont vous donner plein de trucs, mais surtout, ils vont se donner plein de trucs. Puis quand ils s'inspirent entre eux, il n'y a rien de mieux qu'une cliente qui conseille une autre cliente. Et vous allez créer des relations avec les gens. Fait que d'une semaine à l'autre, là, vous allez avoir, dans le fond, vos followers. Alors, j'espère que ça vous guide. J'espère que ça vous inspire. J'espère que ça vous donne le goût de vous lancer. Commencez à petite échelle. Si ça vous stresse, c'est normal. Moi aussi, ça me stressait vraiment beaucoup au début. Maintenant, j'ai hâte. Fait que, tu sais, vous pouvez commencer avec 10 items pour la première fois, puis augmenter d'une fois à l'autre. On ne veut pas non plus que ça dure 12 heures. Ce n'est pas un marathon de vente. Fait que, allez-y à l'échelle que vous êtes confortable, mais lancez-vous parce que définitivement, pour ma part, quand je regarde mes statistiques de mon mois d'août, de mon mois de juillet, versus mes statistiques en ce moment, ben, mes ventes ont doublé. Mes ventes ont doublé depuis que j'ai amené à la plateforme mes événements de vente live. Alors, si tu fais partie de la catégorie des gens qui aimeraient que tes ventes doublent, eh bien, c'est le temps de se lancer. Bon succès à tous. Bye bye!